Ok, du coup, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours en ligne du Moodocon Chalandais. Aujourd'hui, travail technique sur le PUMC 1 et PUMC numéro 2. Voilà, donc je remercie les présents qui sont là aujourd'hui pour ce petit cours. Et on va commencer tout de suite. Allez, on y va. Allez, on est prêt pour le salut. Allez, on vous met la main dans le dos. Les pieds légèrement écartés. Ok, chat. Kenny, et Quen, et on salue. Bonjour à tous. Ok, allez, on va faire un petit échauffement pour éviter de se blesser. Et on va commencer par des petits étirements tranquilles pour l'instant. Et après, on va bouger un petit peu pour mieux échauffer les muscles. Allez, on y va. On va écarter les jambes pour l'instant. Allez, Grégoire, on y va. Allez, on écarte. Ah, donc pas trop pour l'instant. Ouais, la caméra n'a pas trop pour l'instant. Si ça marche. La rotation de corps, faut que je me penche. Allez, on vient toucher devant. Et on compte. 1, 2 et 3, on remonte. On y va devant. 1, 2. Ok. Et 3. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Hop, et on revient à droite. On vient toucher le pied. Là, le genou devant, il est bien droit, le genou. On va toucher le pied. Ok, on se relève. On va se grandir, se grandir, se grandir. Et on va de l'autre côté, à gauche. On vient toucher le pied. Voilà, super. Ok, on revient devant. On grandit, on retourne à droite. Et on descend. Là, je vais tirer derrière la cuisse. Ok, on se relève. On grandit, on va de l'autre côté. À gauche. Et on descend. Ok, on se relève. Allez, on ramène les jambes. Sur le côté, faire un grand pas vers l'avant et on va se mettre derrière. Vous voyez mon pied là, de devant, il est dans la direction où je suis. Et l'autre pied derrière, il est sur le côté. Je vais plier le genou de devant. Voilà, et là je vais hop, me mettre bien droit sur la jambe. Et je pousse, là je pousse vers l'avant et je descends mon bassin vers le bas. Voilà, ça va tirer, hop. Derrière la cuisse, après les fesses. Et je vais. Ok, je vais poser le genou derrière. Et je vais passer mon bras du côté de la jambe. Hop, en dessous. Hop, et je vais tirer. Et je pousse toujours mon genou vers devant. Ça va, ça tire? Oui. Non! Qui c'est qui tire là? Devant? Alors, ton bras vient bien chercher en dessous, hop, et loin derrière. Il coupe bien le genou vers l'avant. Hop, on revient. On remonte son genou, on remonte sa jambe. On pousse le genou devant, hop, et on va tourner pour être de face. Et on tourne pour être de l'autre côté. Et là, pareil, hop, on pousse le genou devant. On va la même chose là, mais de l'autre côté. Super Baptiste, bien ton genou devant Baptiste. Voilà, comme ça, super. Ok, on pousse, on pousse, on pousse le genou. Là, ça tire bien en dessous. Ok, on pose le genou. Et maintenant, la jambe, le bras gauche qui passe en dessous, hop, de ma jambe gauche. Et je pousse vers l'avant. Baptiste va de l'autre côté de la jambe. Passe par l'autre côté de la jambe. Ok, on revient, on lâche. Hop, on se relève. Et on revient de face. Hop, on relâche. Allez, on bouge les jambes, on décontracte un petit peu.
Ok, allez, on met les pieds joints. On colle les pieds. Ok, on va se grandir bien haut, bien haut, bien haut. On va pousser devant, on va essayer d'attraper, hop, ces pointes de pied. Oh, regarde, sans plier nu. Donc c'est pas hop, c'est je suis bien droit. Et je viens toucher mes pieds. Et j'attrape les pieds. Donc là, ça va se tirer, hop, les cuisses, l'arrière. Ok, on relève. On respire, on se grandit. On souffle. Et on vient toucher les pieds. On va. Là, tu touches juste les pieds, là-bas. Bien tendu. Ok, on revient au bras. On va écarter la pointe un tout petit peu. Allez, on va bouger le bassin. Hop, droite et gauche. Hop, un et deux. On pousse bien sur le côté. Ah, ok, on continue. Deux, doucement. Sept. Net. So. Le so. Go. Le deux. Hop. Hey, tiens, qu'est-ce que je viens de faire, Grégoire, là? C'est quoi les mots que je dis? Quand je fais... Jusqu'à 10 en courant. Exactement, je compte jusqu'à 10. Allez, là, on va faire, hop, devant. Hop, et ensuite, on fait... On souffle, et on vient toucher au sol. On remonte, on pousse le bassin devant, on respire fort, prend du l'air, et on souffle, et on vient descendre en bas. On touche, on compte 2, hop, et on remonte. On y va, on va faire 10 fois. Donc on pousse devant, hop, 1, 2, et on pousse, 1, et 2. On revient en haut, on pousse, on prend bien, on prend de l'air, on prend de l'air, et on touche, 1, et 2. Ok, on pousse devant, on prend de l'air, et on souffle. Ok, on pousse devant. 1, 2, et on souffle, on descend. On revient. 1, 2, on va toucher le sol. On revient. 1, 2, on pousse. Ok, ballon. Allez, on va chercher la cheville, on se met sur un pied, on peut se tenir si on veut à quelque chose. Sinon, on essaie de garder l'équilibre, c'est très bien. Hop, et on vient. On peut faire aussi l'équilibre, hein, vous allez voir. Donc on tourne la cheville pour l'instant. On travaille l'équilibre en même temps, c'est top. Ça sert à rien pour les poupées. Dans l'autre sens. Allez, très bien, très bien, très bien. Allez, on fait au bas. Hop, au bas, touc, touc. Pour renforcer la cheville. Ok, ballot, on change de jambe. Hop, et on tourne. On tourne la cheville. Donc si c'est trop dur, Baptiste, hein, tu peux faire sur le sol. Hop, et tu tournes comme ça ton pied. Si c'est trop dur de faire de face. Il fait bien le gros dentelle, les doigts de pied. Et on fait au bas maintenant. Tu peux continuer au sol, Baptiste. Super. Ok. Ok. Pieds joints. On essouffle un peu les genoux. Là, on va descendre. Hop. Les genoux. Vers devant. Hop. Allez, là. Allez, voilà. 2, 7, net, so, go, le 2, hop, ok, exactement. Vous pouvez compter avec moi si vous voulez, comme ça on apprend en même temps. Rotation de bassin, donc pied écarté, main sur les hanches, hop, et on tourne. Et on fait Anna,
Dun. 7. Net. Da so. Da so. Yo. Yodel. Taub. Et yul. Donc yul, 10. 1, c'est Anna. Allez, on fait un peu les poignets, on comprend les mains, hop, et on bouge. Dans tous les sens. On fait dans tous les sens. Droite, gauche, bon, bon, bon. Il y a des vagues. Allez, on secoue devant. Sur les côtés. Dans tous les sens. Allez, ok. On va faire maintenant les coudes. Donc on va mettre la main sous le coude. On va tendre devant. Et on va passer la main, hop, en dessous. Et on, hop, un, je passe dans le puits. Et je ressors, je tends. Et deux. Un. Et on y va. Allez, Anna. Deux. Oh, j'ai mal à l'école d'écrire, comment je fais ça? La so. Qu'est-ce que tu dis? La so. Quand j'ai mal d'écrire à l'école, bah, je fais ça. Aïe. Bah, ça échauffe le coude. Hop. Et Aya, l'autre côté. Anna. Dul. 7. Net. La so. La so. Glop. Nudel. Hop. Et allez, va, on tend le bras droit et on va faire des petits cercles. On fait des ronds. Va doucement, Grégoire. C'est l'échauffement, donc je sais pas, on commence doucement pour aller plus rapide après. Sinon, on se blesse, si on va trouver dès le début. Essaye de faire un grand tour, Baptiste. Vers devant. Voilà. Ou vers l'arrière. Ok, on change de sens. Ça prenez bien. Tirez bien. Voilà. Ok, ballot. On va de l'autre côté. On fait l'autre bras. Ok, on nage vers devant. Avec un seul bras. Allez, 1, 12, 7. Net. Lasso. Yusso. Higo. Yodo. Hop. Et on va dans l'autre sens. On tire bien vers loin derrière. 2, 7. Net. Lasso. Yusso. Higo. Yodo. Hop. Ok, et allez, on va maintenant faire un petit peu de cardio. Allez, on va sauter un petit peu. On va s'échauffer rapidement. Donc là, on bouge, fait des petits sauts, droite, gauche, hop, devant, derrière. Ok, comment je vais compter? On va faire des montées de genoux, hop, rapide. On en fait 10 rapides. Et après, on revient, hop, on sautille. Ok, donc pour quand je veux dire compter Anna, on fait 10 rapides. Vous êtes prêts? Allez, vous êtes voir, on sautille. Sautille, on sautille. Allez, Anna, montez les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on revient, on sautille. Attention, prêt, deuxième. Allez, 12. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Et on sautille. Prêt. Allez, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on sautille. On bouge, on bouge. Ok, net. 1, 2, 3, 4, 5. Hiya. On tourne bien, Grégoire. Allez, l'assaut. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Ok. On bouge, on bouge. Ok, on va faire la même chose, maintenant on va faire des baguettes de tambour. Donc, hop, on fait des petits coups de pied, hop, la jambe elle est droite. On est sur la pointe des pieds, on fait des petits coups comme ça. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, jambes tendues. Voilà, très bien Baptiste. Prêt, on sautille. Fais attention, allez, 1, 2, 3, 4. Et on bouge. Super, sautille. Attention, 2,
Prince. Et au bout du jeu. Super. Vous pouvez même compter encore hein, si vous voulez. Comment vous faites. Prêt, ça fait 1, 2, 7. La sérieuse, il a pris de hop, yeah. Attention pour le dernier. Passons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. Ok, on bouge. Attends, t'as dit jumping jack. Jumping jack, ça fait hop, 1, 2, 1 et 2. Pieds joints, mains en l'air. Deux en bas et deux, on revient pieds joints. Prêt? On en fait 20. Attention, on saute, on saute, on saute. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20. Ok, on récupère. On a fait 20 là, Grégoire? Oui. Ouais. Ok, on est contact. Et on peut boire une gorgée d'eau, si on veut. Est-ce que tu as une bouteille de Baptiste? Pense à boire. Moi, on avait même pas de bouteille. Une bouteille, j'ai vraiment de l'eau, hein. Ok. Bon, c'est bon, vous êtes un peu chaud, on est prêt à commencer? Non. Ok. Alors, déjà, est-ce que tu en sais ce que c'est un pouncé? Oui. Non, je voulais dire. Là, tu te souviens du premier pouncé, Grégoire? Oui. Ouais. Est-ce que Baptiste, tu sais ce que c'est un pouncé? Tu as commencé à voir ça, les amis, ou pas? Lève la main si tu sais. Et si tu ne sais pas, tu fais coucou. Je sais pas. Tu sais pas? Alors on va apprendre ensemble, c'est pas grave. Ok, allez, premier mouvement. Oui, qu'est-ce qu'il y a à voir? Le 1, je le connais, et le 2, c'est révisé aujourd'hui. Ah, super. On va pouvoir faire ensemble alors. Ok, premier mouvement. Déjà, avant de commencer, on va apprendre les niveaux. On a trois niveaux au taekwondo. On a le niveau bas. Le niveau bas, c'est entre la ceinture et les pieds. Ça s'appelle comment, Grégoire? Je sais que la tête, c'est le goul. La tête, c'est le niveau haut, c'est le goul. Après, au milieu, c'est Manton. Ouais, Manton, niveau moyen. Et niveau bas. Et en bas, je sais plus. Est-ce que tu sais, Baptiste? Tu m'as dit? On a un goul niveau haut, Manton niveau moyen, et niveau bas, c'est aller. On va commencer par faire du aller maki. Aller maki, maki c'est bloqué. Donc, on est Jombisugi. Allez, on est en position, on est prêt. Jombisugi. Donc, on a les pieds. Position d'attente. Position d'attente, exactement. Les pieds parallèles, hop, et les poings. Au niveau de la ceinture. Regardez pour l'instant. Allez, Maki. Je vais faire sur ma jambe gauche. Je vais avancer ma jambe gauche et faire le blocage du niveau bas. Donc, 1, je viens armer mon bras gauche sur l'épaule droite. 2, je vais avancer ma jambe gauche et je vais bloquer devant. Si je mets de profil, ça nous fait 1, armer. Hop, et deux bloqués. Vous voyez, je colle pas ma poing sur l'avant de ma jambe et je suis pas trop loin. Le but, c'est d'empêcher hop, un coup de pied au niveau de la jambe. Donc je viens hop, bloquer, hop, je suis environ allez, un point et demi de ma jambe au niveau de la distance. 1, 2. Et ça vient 1, 2, bloqué. Je fais de l'autre côté, arme épaule, 2. Et je m'arrête. Hop, juste devant ma jambe. Pas trop loin et pas trop avant. Juste devant. Ok, on revient. Je remonte. Un, j'arme épaule. J'avance. Et deux, je bloque. Et mon autre point est au niveau de ma ceinture. Avec mes doigts vers le haut. Je m'approche. Hop.
Deuxième point, hop, il est sur ma ceinture, niveau. Donc pas sur le côté, pas à l'envers, et pas la main. On pointe comme ceci, on essaie. Ah, super, Baptiste. Ok. Oui, on va essayer. Donc, petite question. Tiens, Jérôme, comment s'appelle la position que j'ai faite là? Position de marche. Absegi. Absegi. Absegi, c'est la position de marche. Donc ça veut dire, c'est comme quoi, quand on marche dans la rue, hop, on marche, tourner, hop, le pied sur le côté. Donc on a le pied gauche devant, légèrement fléchi, et le pied derrière, qui est un petit peu sur le côté et un petit peu en arrière. Hop, comme ceci. Attention de ne pas être sur la même ligne. Sinon, on perd l'équilibre. Et c'est très dur de faire des belles techniques. Donc on est, hop, légèrement décalé, pour être stable. Donc on peut pousser, je peux bouger. Et ensuite, on va mettre le halemaki au niveau de la jambe. On y va, on sait ça. Allez, Jumbi. On est en position d'attente. Ah, il y va Anna. 1, 2, on fait le blocage. Ok. Arme, voilà. Fais l'autre main, Baptiste. Fais l'autre main. Ah, vas-y, mets ton poing. Regarde, je le mets comme de même sens que toi. Regarde, le point de cette main-là. Clac, clac, clac. Tu mets, hop, à l'épaule. Vas-y. Tu mets ta main, hop, à l'épaule. Voilà. Et là, regarde, ta jambe qui est du même côté que ton bras, tu vas l'avancer. Hop, et tu vas venir mettre ta main dessus. Okay. Vas-y, avance. Ok. Vas-y, et maintenant tu fais... Hop, blocage. Vas-y, tends le bras. Tu vas juste tendre le bras, hop, vers devant. Vas-y, et devant, regarde. Et tu vois ton poing, il s'arrête, hop, devant ta jambe. Je remonte, hop, je suis là devant, hop, j'avance ma jambe, hop, et je m'arrête devant. Et l'autre poing qui vient à la ceinture. C'est dur ça en vidéo. Hein. Vas-y, on recommence, on refait, zombie. 1. Ok, on arme. Le poing sur l'épaule. Opposé. Et on vient avancer la jambe du même côté. Point. Et hop, blocage. Ok. Voilà, c'est bien. On fait l'autre maintenant. Donc on va prendre le point de la jambe qui est derrière. On va l'armer sur l'épaule de la jambe qui est devant. Et en fait, on va avancer l'autre jambe. Hop, et on vient bloquer. On avance. Donc pour l'instant, on n'est pas trop de face. Hein, parce que le but après, c'est de faire un coup de pied. Donc on est légèrement de côté. Encore en garde. Ok, on revient. Alors on va enchaîner. On va en faire deux en avançant. On y va en position zombie. Ok. Armé. Et j'avance. Ouais. 2, 1, armé, hop, bloqué. Donc là, Grégoire et Jérôme, essayez voilà, de travailler un peu en force. Donc sans être contracté, essayez là. On est souple, mais 1, on est armé, hop, on verra. C'est hop. On va vraiment s'arrêter devant la jambe. 2, bam. C'est puissant. Tac. Et on va partir. On y va, refait. Allez, on y va en arme. 1. Allez, pied opposé. 2, on avance la jambe. Hop, et on bloque. Ok, on arme l'autre. 2, l'autre épaule, l'autre bras. On avance. Et on bloque. Ouais. Et toi, Baptiste, essaie, regarde. Tu vois ta jambe qui est devant. Ton blocage. Essaye donc de l'arrêter hop, devant la jambe. Tu vois, regarde, je suis pile en face de ma jambe, il y a ma jambe qui est là. Mon poing, il s'arrête juste devant. Là, il n'est pas derrière, il n'est pas derrière moi. C'est comme ça. Juste devant. Ok. On y va. Allez, dernière fois, zombie. Position d'attente. 1, armé. Et 2. Ouais. 1 et 2. C'est bon. Ok, on revient. On va maintenant ajouter une technique.
Là, on a fait du allématri. Blocage, niveau bas. On va rajouter le coup de poing. Donc, ça fera un allématri, position de marche, à ce coup. Et en avançant, on va avancer l'autre jambe. On va faire un coup de poing de la jambe avant. Je remonte. Donc là, je suis avec mon bras gauche. J'avance ma jambe gauche. 1, 2. J'avance ma jambe droite. Et je fais un coup de poing. Hop, à droite. Et 2. Et je suis en position absolue. Comment on appelle ce coup de poing, Grégoire? Est-ce que tu sais ou pas du tout? Je m'en sais pas. Sans regarder sur Internet. Hein. Alors, Internet. Bon, Jérôme, comment il s'appelle? Hein? Comment il s'appelle ce coup de poing? Manton Bandé Jigi, mais Jigi, je le prononce mal, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Manton Bandé Dirlugi. Dirlugi, ouais. C'est ça. Donc on dit bandé parce qu'on est du côté de la jambe qui est devant. Manton Bandé Dirlugi. J'ai même pas appris ça. Bon, si, bon, on le dit de temps en temps, faut juste s'en souvenir. On revient à Grégoire en position. Allez, on y va en zombie, position d'attente. On va faire la même chose tout à l'heure. 1, allez, Maki, position absolue. Et 2, on va avancer. Oh, et coup de poing. Et on revient. Ok, on fait l'autre côté. Droite, droite. 1. Et on avance notre jambe de derrière. Hop. Et coup de poing. Baptiste, voilà. Et regarde, Baptiste, regarde ton autre poing, essaie de le mettre, hop, sur la ceinture. Tu vois, comme ceci. Voilà. Alors, Baptiste, il ne vous voit plus. Il a perdu l'image, donc je lui remets. D'accord, pas de soucis. Normalement, ça ne vient pas de mon côté, donc j'ai toujours l'image. Non, non, c'est de mon côté. Je lui remets, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ah, super. Ok, on revient alors. Ok, on refait. Donc là, pareil. Jérôme et Grégoire, pensez. 1, armé. Tourne l'épaule, 2, blocage. Ouais, je suis les épaules de profil. Elles sont pas de face. Bien de profil, comme ça, quand je fais mon coup de poing, en avançant, bam, je remets mes épaules de face. Du coup, ça me donne de la puissance dans le coup de poing. 1, bam, et 2. Et le poing, il va bien de la ceinture. Pour faire le coup de poing, regardez bien. Je suis en halemaki. Le poing à ceinture. Mon poing, il va avancer de la ceinture et il va tourner progressivement pour arriver devant. 1, il est à l'envers. 2, hop, il vient, il tourne et bam, il frappe. Je le mets plus près. Ceinture. 1. Il tourne et frappe. Alors, qu'est-ce que je vise quand je suis tout seul à la maison? 1. Si mon avis, c'était niveau bottom, donc niveau moyen. Vous avez un petit écusson ici. Vous avez un petit logo sur votre devoc. Oui. 1. Je vais frapper. Hop. Comme si je voulais taper dans l'écusson. Vous voyez, je ne suis pas trop sur le côté. Pas trop tourné, hop, je vise au milieu, comme si je voulais taper, hop, l'écusson. 1, bam, et 2, l'écusson. Ok, on y va, on continue. Ok, allez, Maki, et maintenant, bandé du bruit juste derrière. 1, 2, blocage. On avance la jambe de derrière, bam, frappe. Ok. On refait la même chose de l'autre côté. Armé. Droite. Oh, blocage. Deux, j'avance. Bam. Hop. Yes. Ok, très bien. C'est bien, Baptiste. Allez voir. Ok. Donc ça, c'est le premier mouvement du Poumsé 1. Donc on va les faire maintenant comme si on était sur le Poumsé. Donc on revient, ok, en Jumbi Sevi, position d'attente.
Donc le premier poussé, il est dans la commence de quel côté? À droite ou à gauche? À droite. À droite, t'es sûr? Jérôme, t'es d'accord toi? Non, c'est à gauche. C'est à gauche, ouais, c'est ce qui me semblait. What? On commence à gauche. Donc, 1, on va commencer. Je vais vous regarder, je vous ferai juste après. 1, on est en position d'attente. 1, on regarde. On va à gauche. Et on va sur la gauche. 1, allez maquille. Position absolue. Coup de poing en avançant. Pareil, position absolue. Donc là, on a les épaules bien de face sur le coup de poing. Jérôme. 2, j'arme de l'autre côté. Je tourne à droite. Allez maquille. Là, j'ai les épaules légèrement de profil. Enfin, légèrement de côté. Et 2, j'avance. Coup de poing. Maintenant, bandé de Jilogi. Tu vas à gauche. Et je suis bien au sol. Et j'ai fait premier mouvement du Bumsi. Est-ce qu'on fait ensemble? Là. Tiens, Grégoire, on va reculer un petit peu. Hop, position, il est prêt. Donc là, on va vers la gauche. D'accord. Donc, 1, on arme le bras à gauche. Sur l'épaule droite. Ok. On tourne, hop, vers la gauche. Allez, Maki sur la jambe gauche. De l'autre côté, Baptiste. Là, t'es vers la droite, Baptiste. Ouais, c'est pas très grave pour l'instant. 1, et coup de poing en avançant. Hop, l'autre jambe. Okay. On va faire un demi-tour. On va armer l'autre poing. Le poing qui a frappé, on l'arme sur l'épaule. Et on va tourner, hop, et faire le blocage. Tourner vers le côté. Et coup de poing. Hop, on avance. Ouais, mais moi j'ai mon échelle. Ok. De quoi? J'ai mon échelle, je peux pas avancer. Ouais, tu peux faire des excuses. Baptiste, c'est vrai, regarde. Faire attention sur tes distances. C'est bon, Baptiste, ou pas? Oui. Alors, Baptiste, essaye de faire maintenant l'inverse de ce que tu as fait. Toi, t'es parti vers la droite et après t'es à la gauche. Donc là, on va essayer de commencer, hop, sur la gauche. Donc tu vois, c'est qu'il faut être à côté de ton canapé, pas du côté de la plante, de la baie vitrée, faut être de l'autre côté. Donc le mouvement, il va à l'inverse de la baie vitrée. Si je sais bien ça. Allez, on y va, on refait la dernière fois et on passe à la suite. On y va, donc on arme, hop, gauche. Droite gauche et pour droite. Échange Baptiste, échange ta main. On va faire l'autre main. Voilà, c'est ça. Et tu vas aller du coup, hop, du côté du canapé. 1, Hayaki. Vers la gauche. Vas-y Baptiste. Et on avance tout le poids. Ok, de l'autre côté. 1, on tourne. Hayaki. Les coups de poing. Ok, c'est pas ce que ça, Baptiste. Ok, prochain mouvement. Tout simple. C'est allez maquille, pareil. Hop, mais cette fois on va passer en ap kubisugi. C'est quoi kubisugi, Grégoire? Grande position. La grande position, exactement. Donc là on a fait la position de marche. Position de marche, comme ceci. Grande position, c'est on va hop, écarter un peu plus les jambes et bien plier la jambe de devant. Et après, donner un coup de poing. Et après, un coup de poing. Donc, position de marche, absegui, grande position, abkubisegui. Donc, on va faire ceci. 1, allez maquille, hop, en grande position et coup de poing sur place. Donc, ça fait hop, 1 et 2. Vous la pensez bien, Jérôme. 1, 2 profil, 2, je reviens droit. 1, 2, 1 et 2. On y va. On se met en position d'attente. On va faire en avançant. 1,
et 2. Bah, peu importe le bras pour l'instant, Baptiste. 1, regarde, 1, tu viens avancer la jambe, hop, et tu viens, comme tout à l'heure, bloquer sur la jambe de devant. Et le deuxième, c'est le coup de poing. C'est bon, Grégoire? On revient. On fait l'autre côté. Allez, Maki. Pua, coup de poing. Ok, on revient. Bonne position. 1, profil, bam, 2, chute de face. Allez, Grégoire. Il est un peu bas ton poing, je pense, Grégoire, là. Non? Je pense qu'il est un petit peu bas. Et pense, regarde, Grégoire, tes épaules sont de face. Elles sont bien droites sur le coup de poing. Tu ne dois pas être de côté sur le coup de poing. Elles doivent être bien droites. Et toi, décale ton poing, c'est-à-dire ta gauche. Voilà. Et là, tu vas être... Ça va, Baptiste? Et après, tu le fais. Allez, on y va. On va mettre ça maintenant dans le poumcé. Donc, on recommence. 1. Pas eu dans la tente. On va vers la gauche. Allez, Maki. Défense basse. Coup de poing comme on a vu. En avançant. Coup de poing. Ok. On tourne. 1. Et 2 coups de poing. Alors on va passer, hop, grande position vers devant, 1 et 2. Côté jambe arrière, du coup c'est Edmonton, Barlow, Djelogi. Ok, on revient, on fait tous ensemble. Ok, on est face-face. Position Baptiste, hop, oh, Grégoire. Ok, on va vers la gauche, on fait, allez Maki. Coup de poing. 1 et 2. Là, on est, coup de poing, on est bien de face. Hein. Zéro. Ok, de l'autre côté, on tourne. Hop. Allez, Maki. Coup de poing. Baptiste. Ah, avance ta jambe, Baptiste. Avance ta jambe de derrière. Ah, fais ça, Baptiste. 1, 2. Avance ta jambe de derrière. Ok, on va maintenant vers face, donc là, face à votre caméra. Hop, grande position. Allez, Maki. Hop, et coup de poing de la jambe arrière. Et coup de poing, Baptiste. Yes, super. Et voilà. On a la première phase du poumcé. Ok, travail du deuxième mouvement. Tiens, Grégoire, comment on appelle le blocage niveau moyen? Alors, je sais. On a dit le bas c'était allez Maki. Donc le niveau moyen ce sera. Comment on dit niveau moyen? J'ai dit tout à l'heure. Bah oui. Tu sais Baptiste ou pas? Non. Non. Hey, t'as dit là c'est Eugoul. Et niveau moyen? Tu donnes ta langue à Jérôme? Mountain. Donc, Grégoire, maintenant qu'on sait que c'est Mountain niveau moyen, comment c'est le défense niveau moyen? Mountain. Ouais, et c'est quoi le nom après? On dit quoi pour une défense? Maki. Voilà. Mountain Maki. Tout simple. Donc, pour faire Mountain Maki, je vous approche un petit peu. On va se mettre de face. On va armer le poing comme ceci. On t'entend pas beaucoup, mais Anthony. Hein. Ah oui, c'est que je suis loin du micro. Donc, on va armer le poing comme ceci. Hop, sur le côté. Et on va faire un arc de cercle vers devant. Vous pensez, on a quelqu'un qui fait un coup de poing, niveau voilà, de votre ventre, et on va hop, tourner pour enlever le poing. Donc 1, et on tourne, et 2. On s'arrête en face, l'épaule opposée, et pas trop loin. Vous voyez, c'est vraiment tout le bloc bras
qui bouge en même temps. Écoute. Un légèrement hop sur le côté. Donc pas trop droit pour pas être au niveau trop haut. Un. Hop et deux. Un et deux. Allez, faites voir. Vas-y Baptiste. Arme sur le côté. Fais un seul bras pour l'instant. Un seul bras. Hop et tu tournes. Vas-y. Ouais, c'est bien, c'est presque ça Baptiste. Très bien. Vas-y Grégoire, fais voir comment tu fais. Recule un petit peu, je te vois mal. Ouais. Ok, regarde. Incline un petit peu ton poignet sur le côté arrière. Un, faut pas que ce soit droit comme ça. Faut que ça tourne. Faut que ton poignet sur la fin, hop, il tourne. Puis là. Un, ok. Puis là. Donc ça c'est mountain maki. Donc on va le faire comme ceci. Un, on va armer le bras droit. Et on va avancer la jambe gauche. La jambe opposée et bloquée. Un, et après on va faire l'autre côté. Deux, opposé. Donc là, on est sur une frappe niveau moyen, enfin blocage niveau moyen, de la jambe opposée. Mountain and Maki. On arme, hop, et deux. Et comme tout à l'heure, voilà, très bien Baptiste, à la main sur la ceinture, c'est parfait. Hop, et le coup pourrait armer, hop, on a ici, on fait l'autre, on lève la bras de l'autre côté, hop, et on avance. Deux, et trois. Un, et deux. Un, et deux. Clac. En reculant, un, et deux. C'est pas trop ça, Grégoire. Stop, stop, top, 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 top. Non, c'est Grégoire. Il y a quelque chose qui est vraiment devant et tu dois juste un peu le décaler. Mais c'est pas tout ton corps qui tourne. Tu vois, mes épaules, elles tournent pas. C'est vraiment juste, hop, mon bras qui vient frapper. Un. Baptiste, c'est bien Baptiste, c'est pas mal, tu peux rester comme ça, c'est très bien. Ok, on y va, on en enchaîne 4 en avançant. Donc on y va, on est en position de Jomi Segi, on est prêt. Ok, donc on va avancer, enfin peu importe, une jambe, un, ok on bloque, l'autre jambe opposée. Ok, on arme l'autre côté, et on avance. Ok, encore. Yes, ça tout le monde plus Baptiste. Et on frappe. Avance ta jambe. Ok, deux en arme. Hop. Et on revient. C'est bien. C'est dur. Allez, on y va, Jumi. Position d'attente. On refait. Et je vois Grégoire. On y va. Allez, à là. 1, armé, 2, 3, et 4, yes, super Baptiste, très bien, c'est bien Grégoire. Attends Grégoire, faudrait juste que tu... regarde, quand tu fais ton blocage, tu t'arrêtes trop ici, trop comme ça. Essaye de... regarde, point. 1, clouc, il tourne. 1, hop, il tourne. Ça, je vais bloquer avec le côté du bras. 1, 2, et je tourne. Ok, super. On continue de pousser. Allez, on y va pour le pousser. On va rajouter ça dans notre pousser. On a travaillé. Ah, il fait du bruit ton micro, Baptiste. Attends, il a trouvé le pouce. Ok, tu recules Grégoire, position pour pousser. Ok, donc on fait ce qu'on a fait tout à l'heure. Un, on va à gauche. On a un pour le Alemaki. Un, Alemaki. Et coup de Provence. Deux, l'autre côté. Un, et deux. Et boule de phase, Grégoire et Jérôme. Ok.
On va chercher la clé. Vers devant. Allez, Maki. Coup de poing. Ok. Et maintenant, on va passer sur le niveau moyen. Après, on a fait le niveau bas. On a validé. On a le droit maintenant d'aller sur le niveau moyen. Niveau 2. Donc, on est comme ceci. Donc, on va armer le bras gauche. Et regardez. Ma jambe droite. Hop. On va repasser devant. Cette fois, on va aller vers la droite. Un blocage. Et coup de poing en avance. On a fait à droite, on fait maintenant à gauche. Armé, on tourne. Hop. Blocage. Et coup de poing. Et Grégoire, tu es dans le mauvais sens. Et ensuite, on a le coup de poing tout à l'heure sur la jambe droite. Allez, Maki. Et coup de poing en grande position. On va refaire avec ça. Ok, on revient. Doumbi Seki. Ok, position d'attente. Ok, on commence vers la gauche. Tiens, Baptiste. Tu vas lever ton bras gauche. En l'air. Comme ça. Lève ton bras gauche en l'air. Ok. Donc regarde. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais te dire. Ton bras gauche, c'est celui que tu es en train de lever là. Tu vois, c'est celui qui est de côté du canapé là. Ok. Et ton bras droit, c'est celui qui est de côté de la plante. Tu vois le canapé, il y a la plante derrière toi. Ça, c'est ton bras gauche. Donc, quand tu vas commencer ton poussé, tu vas aller du côté de ton bras gauche. Du bras qui est en l'air. Et après, tu vas faire ton coup de poing en avançant. Et après, tu pourras aller de l'autre côté, du côté de la baie du pied, et les frapper. Ça, c'est ton bras du côté droit. Ok. Alors, on y va. On recommence. Et point en avançant.
Baptiste. Ok. Avance ta jambe qui est derrière, Baptiste. Change de garde. Et voilà. Très bien. Là, t'es nerveux. Et maintenant, on va vers la caméra. Hop. Allez, maquille en grande position. Défense basse en grande position. Ouais. Et coup de poing. Et coup de poing, Baptiste. Ouais, c'est bon. Ok, on relâche. Là, on a fait le niveau bas, le niveau moyen, et il nous reste le niveau... Ogul Maki. C'est ça, le niveau haut, le niveau Ogul Maki. Je sais pas quelle heure il est. Ah oui, on va se dépêcher. 49. Ouais, comme pour faire Ogul Maki. Pour faire Ogul Maki. On va. Qu'est-ce qui se passe? On va attraper. Comme ça, j'ai attrapé des cheveux en haut avec une de mes mains. Et je vais prendre une épée de l'autre côté. Là, je mets. Hop. Alors, voilà, vous êtes tous dans le même pays. Je peux pas attraper mes cheveux. Je me suis coupé les cheveux. Ouais, mais là, attrapez pas, sinon ça va couper encore plus les cheveux. Ce serait dommage. Allez, on va. Hop, on va dégainer l'épée. Et on va, hop, échanger les mains de place. Ça m'a fait mal, aussi. Ah, j'ai des cheveux, j'ai l'épée. Je dégaine l'épée, et regardez, hop, les deux bras vont se croiser. Schlac, et je bloque. Donc, mon blocage. Je suis bien légèrement de travers, pas trop droit, légèrement de travers. Et le poing à la ceinture. On revient en position. Ouais, c'est presque ça, Baptiste. C'est bien, Baptiste. C'est quasiment ça. On revient en position. Ah, on attrape les cheveux. On prend l'épée. Ouais. Hop, on va avancer maintenant de la jambe. Gauche. Hop, et on bloque. Donc, attention, Grégoire. Hein. Pose-moi ta balle, s'il te plaît. Il n'y en a pas besoin. Donc, regardez. Hop. Ici. Regardez, mon poing ne touche pas la tête. Hein. Le poing, il n'est pas posé sur la tête. Il est hop. Légèrement décalé. Et on n'est pas en bas, on est hop, légèrement au-dessus de la tête. Ok, on y va. Donc on va prendre. Un, avec la main droite, les cheveux. Main gauche, on prend l'épée. On prend l'épée Baptiste. On va avancer la jambe gauche, hop, et faire le blocage. Un. Très bien. Pour faire de l'autre côté, regardez, je suis en position, j'ai juste à, hop, prendre l'épée de l'autre côté, sans bouger les mains. Un. Et changer, avancer l'autre jambe, et on bloque. Super, Baptiste. Grégoire, ça pourrait être mieux. Voilà, le poignet, très bien. Évite de trop toucher le front. Il est assez carré. On revient, position de Jombisugi. On refait le 2. Donc, 1, droite les cheveux. L'épée. On avance la jambe gauche. 1, blocage. Ouais, on prend l'autre épée. L'autre côté. Et on avance. Hop, blocage. Ok, très bien. Est-ce que ça va pour celui-là? C'est bon? Alors, tiens Grégoire, qui aime bien jouer avec le pouce. Comment on appelle le coup de pied de face? Ce coup de pied. Pied de face. Est-ce que Baptiste, tu le sais? Comment on appelle le coup de pied de face en coréen? Non, vous savez pas. Jérôme. Abchagi. C'est ça. Abchagi. Grégoire, hein, t'es ceinture jaune, tu devrais le savoir. Abchagi. De quoi? Et le côté, c'est Yabchagi. Oui, oui, mais là, je demandais le coutier de face. Pour faire Abchagi.
1, on lève le genou devant. Et hop, on vient tendre le pied. Ouais. 1 et 2. C'est ça. C'est ça, Baptiste. C'est pas ça, Grégoire. Voilà, bien droit. Hein. Regardez mon pied quand j'avance vers la caméra. 1, hop, et 2. Je me mets bien droit. Ah. Pied de face. Ah. Yes, super, Baptiste. On va en enchaîner quelques-uns. Donc là, on va bouger un petit peu hein, pour se remettre un peu en mouvement. Je suis chaud là. Regarde. Quand je compte, ah, bam, bam, coup de pied de face. Et on revient. Prêt. Super. Allez, prêt. Allez, ah là. Et on bouge. Ok, super. Deux. 7. Net. Hia. Merci. Hia. Ok, on change de garde. Hia. Ok, on bouge, on va faire la jambe. L'autre jambe. Hia. Ok, double. Hia. 7. Hia. Net. Hia. Et la sort. Yeah. Ok, très bien. On est avec nous jusqu'à 4. On a fait 5, non? Oui, on en a fait 4. Allez, 5. Yeah. Ouais. 7 et 3. Super. Un adulte, 7 net, t'as net d'assaut. Un adulte, 7 net d'assaut, c'est ça. Allez, on revient au Jumbi Soli. Donc on va faire ça maintenant. 1, on attrape les cheveux, on attrape les pieds. 2, blocage en avançant. On va revenir en garde. Hop, Abchagi. Et coup de poing. De la même jambe qui a tapé. Voilà, Baptiste, c'est ça. Là, on fait le coup de poing de la jambe, hop, même côté de la jambe qui a tapé. Donc on revient, on refait. On attrape les cheveux avec la main droite. L'épée à gauche. On avance la jambe gauche. Blocage. On revient en garde. Achagi. Coup de poing. On est en position de marche. Et coup de poing. Voilà, c'est bon, Baptiste. Super. Et ensuite, ce sera de l'autre côté. Donc, on va faire l'autre côté. Donc, on prend les cheveux avec la main gauche. L'épée avec la main droite. Blocage à la main droite. On revient en garde. Achagi à gauche. Et coup de poing. Yes, yeah, super. Bien joué tout le monde. Robin, il parle plus. Baptiste, je veux dire. Quoi? Chanson, il est coupé. Ouais, c'est vrai, parce que sa caméra fait beaucoup de bruit. Du coup, j'ai coupé un peu le son. Et je réactive quand je lui pose des questions. Ok, ben on a quasiment tout le poussé. Donc, on va pouvoir enchaîner. On y va. Et je remets le son, Baptiste, s'il y a besoin. Prêt. Ok, Jumbi. Position d'attente. On commence niveau bas. Donc, on va vers la gauche. On arme le poing, épaule. Allez, Maki. Et coup de poing en avançant. Prêt, Baptiste? Ah, ben enfin! On fait le poum C1. La position d'attente, on recommence. Je sais pas si Baptiste est prêt. Eh ben, une jambe! Allez, poum sta gueule, une jambe. On a perdu la caméra, non? On va attendre qu'ils remettent la caméra. Là, ça fonctionne. C'est bon, vous me voyez? Oui. Ouais. Oh, c'est bon. Moi, je vous entends. Ok. Ok, on va y aller pour le premier poumcé. En place, Grégoire. Fais-le.
Ok, on va aller vers la gauche. Donc on a un point gauche sur l'épaule droite. Blocage, niveau bas. Ouais, comme ça, Grégoire. Grégoire, c'est bon, Baptiste, ouais. Et le coup de poing, super. Va trop vite. Coup de poing, on avance. Ok, l'autre côté. Ouais. On a en main droite, on tourne. Hop. Blocage à l'Emaki. On tourne, Baptiste. On fait l'autre côté maintenant. Vas-y, blocage. Avec ta main droite. Et coup de poing en avançant. Ok, maintenant on va avec le bras gauche, grande position vers la caméra, on bloque sur le jambe gauche. Et on fait coup de poing avec le poing droit, en grande position. Super. On arme le bras gauche. On arme le bras gauche. Hop, on va vers la droite, on ramène la jambe derrière, sur le côté. Maintenant Maki. Maintenant Anne Maki. Grégoire. Maintenant Anne Maki vers la droite. T'es là, mauvais côté Grégoire. Ok, coup de poing en avançant. Bah moi je suis à la gauche. C'est pas grave, c'est dans l'échelle. L'autre point là, Baptiste. Fais l'autre point. Le point droit. Voilà, super. On arme le point qui a tapé droit. Hop, on fait demi-tour. Maintenant Maki, maintenant Maki de l'autre côté. Là, là maintenant tu es du côté du canapé. Et les coups de poing avançant. Et moi du côté de la porte. De l'autre côté de la porte. Allez, vas-y Baptiste. Regarde, t'es comme ça. Hop, maintenant tu armes le point droit, hop, et tu tournes de l'autre côté. Et tu fais hop, ton coup de poing après en avançant. Je crois qu'il a bugué, je crois qu'il bouge plus. Je sais pas si c'est l'image. Allez, on continue. Ok, allez, Maki, coup de poing. On en avance vers la caméra. Ok, on attrape les cheveux, l'épée. Ah, on a qu'à faire des bêtises. Un. On revient en garde. Atchagi. Coup de poing. Ok, l'autre côté. Un. Coup de poing. Et pour la fin, hop, on va la chercher. On a derrière, c'est fort, on termine. Toi, côté porte, Grégoire. Hop. Allez, Maki. Et les coups de poing, on est en position. Et on a terminé. Voilà pour le premier poussé. Eh ben c'est très très dur à faire en caméra, dis donc. Pas facile. Bon, s'il n'y avait pas Baptiste, ça serait beaucoup plus simple, parce qu'on connaît. Mais là, le fait qu'il y a quelqu'un qui ne connaisse pas, c'est très dur. Bon, ça va, le premier poussé ? Oui. Bah, on le connaissait déjà. Ah oui, mais maintenant, Baptiste, il ne connaissait pas trop. Mais bon, ça vous a permis de bien revoir aussi. Donc, c'est top. Allez, on y va. Tiens, Jérôme, tu me fais 1 et 2. Tu fais les poussées 1 et 2 ? Ouais, tu fais 1 et 2, et après on regardera avec Grégoire, on va faire le 1, et on verra s'il va connaître un petit peu le 2. Allez, je vous connais. Regarde Jérôme. Viens voir. Ouais, attends, je vais les... Voilà. Poussé. Oui, il tombe. Attention ton regard, hein, regarde devant, pas par terre. Et c'est parti pour le deuxième. Ouais. C'est quoi? Ounge, Kizong.
loupé une erreur. Allez, on recommence, c'est pas grave. Ouais. Ouais, j'étais bien. Non, il a pas réussi, il a pas réussi. Ouais, ouais. Il a recommencé. Deuxième chance. Voilà. Ouais. Okay. Donc c'est avec qui jongle. Je veux voir clair. L'éclair, l'éclair. Ok, no. C'est mieux comme ça. Avec un petit mousse. Bon, autour de Grégoire. Tu es malade. Non, je t'ai vu il y a 5 secondes, t'étais pas malade. Allez, hop, pour le premier poussé. Attends. Il y a quelque chose. Y a on fait le salut, hop. La gueule, une jambe. Allez, Mikey, coup de poing. Grande position. Allez, Mikey, coup de poing. Là, t'as mélangé les coups. Voilà. Le goût de Mikey. Mmh. Mmh. Come on. Bravo. Il n'y a pas eu des petits soucis? Non. Non, t'es sûr? Non. Donc, tu connais à peu près le diagramme. Mais maintenant, tu t'es trompé plusieurs fois. Ah oui. Tu commences à gauche. Allez, Maki. Coup de poing. Ça, c'est bon. Hop, à droite. 1, 2. Sauf que là, tu es parti vers la gauche, alors que le niveau moyen, il faut partir vers la droite, puis la gauche. Et du coup, ça t'a trompé dans tes derniers mouvements. Du coup, hop, tu étais à l'envers après pour la suite. Tu recommences et tu essaies de ne pas faire d'erreur. Oui, attends, j'en veux. C'est que tu t'amuses trop avec les émoticônes ou avec le dessin. Non, c'est dans discussion. Ah oui, là, enlève. Tu fermes la petite croix. Tu fermes avec la flèche qui est à gauche de discussion. Alors. Alors. C'est bon, merci. Alors, épingle. Voilà. Allez, premier poussé, sans erreur. Une jambe. Va pas trop vite. Donc là, allez Maki, coup de poing. En grande position. Sans pause. Sans avancer la jambe. Reviens. Recommence. Va doucement. Une jambe. Coup de poing. Allez Maki. Coup de poing. Fais-les bien, arme bien tes coups. Ok, donc là, allez Maki, jambe gauche. Sur... Hop, coup de poing sans avancer. Ok, ah, non, pause, reviens. Reviens. C'est là que tu te trompes. C'est là. Voilà. Coup de poing. L'autre côté. Ok. Allez Maki, coup de poing maintenant. Sur la jambe droite. Hop, pause, reviens. C'est pas bon. Tu as déjà fait cette jambe. Et coup de poing. Hop, coup de poing, l'autre bras. Là, t'as la Maki normalement. Voilà. Eh oui. Attends, Ugo Maki. Ouais. Tu te rattrapes. Coup de poing. Non. Non, coup de poing de la jambe qui frappe. La jambe qui est devant. C'est Kay qui a fait la chagui. Ok. Et maintenant, t'es bien placé. Tu vas chercher loin derrière.
Allez, Maki. Coup de poing qui up. Here. Non. Ok, bravo. Bon, encore un peu de boulot hein, sur ce premier poumcé, monsieur Grégoire. Mais sinon, c'est à peu près ça. Mais pense surtout à armer tes coups. Regarde, comme c'est plus joli. 1, 2, 1, 2. C'est pas joli, c'est un pas. Pas joli ça. Armé. 1, 2, 1. Ok, allez. Bon, on va terminer pour ce coup. Je crois qu'il est l'heure. Ah oui, il est largement l'heure. Ça a été. Bon, désolé, c'était un peu plus basique que j'avais prévu. Mais vu qu'il y avait Baptiste qui commence tout juste. Baptiste, l'entre, allez plus vite. Bah oui, mais bon, faut faire avec. Alors, faut s'adapter. Hein. On est au taekwondo. On peut faire les passages de grade par vidéo. De quoi? Bien, on peut pas faire les passages de grade par vidéo, c'est bien ça. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai compliqué. Des ceintures jaunes et après le jour on fait pour les ceintures blanches. Voilà, on verra. Mais on retravaillera normalement, ça va rouvrir en décembre, on va pouvoir bosser tranquillement. Oui, non mais c'est ça, c'est bien. Ça, ouais, ça occupe, ça fait passer du temps. De quoi? Dis, ça fait faire du sport, ça occupe, ça fait réviser, c'est bien. Ouais, mais dans tous les cas, de toute façon, ouais, même si c'est un cours, toi, simple, pour les garder, ça empêche pas. De bosser quand même, tu vois, mais désormais, hop, travailler vraiment plus, bam, avec l'énergie, toi, faire des bons mouvements, bien avec, voilà, avec la vigueur, mais sans être trop contracté. Donc on peut, ça, bam, bam, enchaîner, un, bam, enfin voilà. Ok, bon, bah écoute, on fait samedi, un petit salut, et on se quitte là-dessus. Ouais. Bah samedi, Anthony, à bientôt, salut. Allez, salut, à bientôt. Bientôt. Allez, salut, Grégoire. Oh là là. J'ai coupé les émoticônes. Non. Mais, à toi, t'as mis... Monsieur qui rigole. Mais non, mais pas celui de la fête. Il est moche. Continue à bosser, Grégoire. Ouais. C'est pas mal. Maintenant, voilà, plus qu'à connaître bien le diagramme et on sera très bien. Ouais. Okay. Bon, je te souhaite une bonne journée de repos. Et je te dis à très bientôt. Au revoir, c'est moi qui quitte. Au revoir.